exploitation, c'est 136 hectares des SAU avec principalement céréales, blé triticale, blé fèves, soja tournesol, luzerne porte-graine et luzerne fourrage. Mon père qui était installé, du coup, en conventionnel, on faisait plus facilement tout ce qui était binaire, en engrais de fond, et sans se préoccuper vraiment d'analyse spéciale. On faisait une analyse de sol ou deux, tous les 2-3 ans peut-être, on va dire. Avec Biapi, j'ai pu en percevoir qu'il manquait beaucoup de matière organique, donc je vais jouer là-dessus. Je vais apporter matière organique par endroit, des fientes pour les blés au départ, et après engrais, phosphore ou potasse sur certaines parcelles.